Moi, j'étais très heureuse parce que c'était un peu une réunion entre le Godspell et moi-même. Ça fait quelques années, 2 ans, qu'on ne travaille pas ensemble parce que je fais autre chose. Et se retrouver ce soir avec tant de Godspell, c'est formidable. Je vivais dans l'heure. J'ai cherché, je voulais aider une église à se restaurer. Donc, je venais de finir de chanter avec les chœurs de l'Armée Rouge dans toutes les églises. Et je voulais quelque chose comme une trilogie, parce que j'avais fait 2 ans avec les chœurs de l'Armée Rouge. Et je voulais chanter du Godspell parce que ça a du rythme et puis chanter en anglais. Et donc, j'étais à la recherche et je les ai trouvés à Rouen. Un peu comme en audition, j'ai trouvé que les jeunes, tous des amateurs en fait, parce qu'ils travaillent aussi, mais ils travaillent la voix, ils sont vraiment un choral avec des belles voix qui méritent même d'être en solo et de faire une carrière, mais ils ont peut-être un peu peur de faire ça, et je les comprends aussi, c'est pas facile, mais... Donc ça s'est arrivé il y a à peu près 14 ans, et tout de suite, on a fait un concert, 2, 3, et après on a fait un disque. La musique, elle m'entoure, leur voix, les arrangements entourent ma voix. Et donc, et puis on le sent. Et quand on a rodé quand même le spectacle depuis longtemps, mais même si on n'a pas travaillé depuis 2 ans, j'ai me senti comme un poisson dans l'eau. Je crois que dans un spectacle, il faut avoir un peu de tout. Il faut la comédie, il faut les mots corrects, il faut la musique, il faut tout pour... Et moi, je suis comme ça, j'aime donner le plus de tout ce que j'ai. Quand on peut se lâcher et dire ce qu'on pense sur le cœur vis-à-vis de la foi, je ne parle pas de la religion, mais de la foi en soi, ça me donne des ailes, ça me donne la liberté. Et donc, je peux être drôle, je peux être triste, ça me donne beaucoup de force. J'ai chanté oui pour Jean-Paul II, c'était assez rapide, c'était quand même pas facile, et puis voir tant de monde, c'est quand même assez impressionnant. Je me suis lancée en fait dans les églises à cette époque avec Monseigneur de Falco, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à chanter dans les églises. Et depuis que j'étais toute petite, ma mère chantait aussi dans les églises, et je trouvais que c'était un lieu magique et magnifique pour donner de soi, pour parler de la foi, de l'amour, de l'amitié, et puis chanter avec cette vibration qu'il y a, la beauté d'une église, ce lieu est magnifique. Mais aujourd'hui, l'église est un théâtre aussi pour moi, ce n'est pas nécessairement le lieu culte. Pour moi, le théâtre aussi, c'est un lieu culte pour parler de l'amour et de la foi. Je crois que la musique fait partie, c'est une famille, et donc il faut garder cette famille. J'ai des amis de différents endroits, de différents lieux, de différentes façons de chanter, et cette amitié m'a toujours, comment on peut dire, aidée, parce que je sais que je pouvais revenir et avoir cette aval pour continuer à travailler, et c'est ça qui est important pour moi. C'est de continuer à chanter. Je vais finir dans 2 semaines un nouvel album franco-espagnol, parce que j'ai choisi des chansons pour 80% de ce répertoire que je pouvais faire en français, parce que les Français, ils aiment beaucoup écouter en français, même si je chante en anglais, français et en espagnol. Et c'est aussi une musique qui me passionne, parce que j'ai été élevée au Mexique, et donc je parle espagnol couramment, je vis en Espagne, et puis c'est
je reviens un peu à mes sources de la musique que j'ai appris quand j'étais petite. J'ai été en Israël il y a 2 semaines où j'ai fait 2 concerts avec ma fille, Shirelle. C'était fantastique parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et d'ailleurs, on va sortir un duo d'une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Une femme. C'est un spectacle qu'on va essayer de ramener aussi en France aussi. C'est jamais gagné, vous savez. Je rentre pas sur scène pensant que tout le monde va m'adorer. Quand je rentre et on m'applaudit, je suis très heureuse parce que quelque part, ça m'encourage. Et puis après, le reste, mais un artiste, au moins en tout cas, je ne sais jamais si j'ai réussi avant la fin. Moi, j'étais fan de cette femme quand j'étais jeune et je suis venu beaucoup plus pour voir cette femme que le gospel que je ne connais pas du tout. On a passé une agréable soirée. Super, ah oui, c'est magnifique, magnifique. Je crois qu'il n'y a pas de mots, et en plus je l'adore. J'étais ravie de venir ici, très joli village, j'espère que je reviendrai peut-être, pourquoi pas avec ma fille, ou avec mes musiciens, avec espagnols, avec le flamenco, on va voir, vamos a ver.